Eh bien, bonjour bande d'humains et bienvenue pour cet épisode numéro 8 de l'intégrale de Skyrim avec votre youtubeur préféré, Marvin Schrödinger. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il veut lui? Concentrez-vous sur s'en bat les couilles, ta gueule. Et donc, oui, ça va vous? Non. Rien à foutre. On avait fait preuve de loyauté envers la garde impériale ou je sais pas quoi, eux là, les loups là. La vie de vos camarades en dépend. Voilà, du coup, on va continuer tout de suite. Là, je viens de m'en rendre compte que, pour commencer, un système. Paramètres d'affichage. Ça, voilà. Luminosité. Bah c'est bien. Bah allez, c'est parti. Alors oui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire comme quête? Hein? Alors, la couronne d'eau se retrouvait le Léaric à l'extérieur de Korhavundu. Technique de la voix, divers adressés pour obtenir une tenue impériale. Eh bah écoute. Déjà, on va aller chercher la tenue impériale. Où qu'il est? Un jour, bientôt, vous verrez tous la bataille de près. Ah. Ce que vous faites ici, aujourd'hui, pourrait bien vous sauver la vie. Ah, d'accord, j'ai débloqué. Bon, alors, on va aller chercher la tenue de la garde impériale. Alors. Et lui, là? Et file-moi ici avant que je t'en colle une. Les impériaux ont toujours besoin de quelque chose, faut croire. En quoi puis-je vous aider? Le général Tullius m'a dit que vous m'équiperiez. Qu'est-ce que vous avez à vendre, eh? Vous avez déjà pensé à sortir d'ici et à aller vous battre? Flemmard, trouillard, fiotte. Vous fabriquez des armures pour les impériaux? Oui. Et j'ai une question pour vous. Ouais. Légère, intermédiaire ou lourde? Moi je prenais souvent légère. Mais j'ai bien envie d'essayer intermédiaire, en sachant qu'intermédiaire c'est plus lourd. Mais plus légère que lourde. Est-ce que vous me suivez? Non, rien à foutre. On va prendre légère. D'accord, voilà pour vous. Eh ben. Ça devrait vous permettre de rester agile tout en vous protégeant suffisamment si les coups commencent à pleuvoir. C'est tout. Un équipement par soldat, pas plus. Si vous le perdez ou que vous l'abîmez, vous devrez payer, comme tout le monde. Ok. Revenez me voir si vous avez besoin d'armes ou de pièces d'armure. Maintenant, on ne sait jamais. Bon, ça c'est fait. Adressez-vous. Non, ça j'ai pas envie de le faire. Voilà. La griffe d'or. Trouvez le propriétaire de la griffe d'or. Un moment de besoin. Trouvez la rouge garde. Néon. Adressez-vous au Grisbarbe, ça trop chiant. Retrouvez les gardes de cœur à l'extérieur de Korhavundu. Eh bah. Faire ça. J'ai décidé de rejoindre la Légion impériale dans son combat pour la protection de l'Empire. Ma première mission consiste à aider le Légaric à retrouver la couronne d'os dans les ruines de Korhavundu. Venez nombreux. Eh bah, on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, c'est pas où, c'est par là. Oui, bonjour. Regardez ça. Je remettais ma manche. Bah, écoute. Oui, alors en fait, ça faisait quelques mois, à vrai dire 4. Oh, c'est joli. Laissez-moi deviner, quelqu'un vous a volé votre pâtisserie. Mais nique ta mère, quelque part. Ça faisait 4 mois que j'avais pas tourné de vidéo. Les 3 épisodes qu'il y a eu avant celui-ci, je les avais tournés l'année dernière, mais je les avais jamais montés. Et là, j'ai pris un coup, comme ça, voilà. Donc, cette année, j'ai décidé de faire beaucoup de playthroughs sur cette chaîne secondaire. Salut. Sur cette chaîne secondaire. Parce que déjà, de 1, j'ai envie. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Eh. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Rien à foutre. Quoi, tu vas me suivre? Et donc, j'ai envie de faire beaucoup de contenu sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et surtout, allez voir ma chaîne principale. Ah oui, attends. Déjà, où est-ce que ça se trouve, le fort Kundur, je sais pas quoi.
C'est où? Où dois-je aller? Parce que est-ce que je peux me chez les targés déjà? Ah. Vous n'avez pas découvert ce lieu? Non. Fort Dragon, Blanchias. Oui, ce sera plus simple. On va chez les targés, hein. Parce que c'est... On va pas faire tout le chemin comme ça, tu vois. Bien que j'adore me balader dans ce genre de jeu vidéo. Et oui, pour cette année, je vais faire beaucoup de playthroughs. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai les chevaux les plus rapides de tout bord de ciel. Et oui, je vais faire donc beaucoup de let's play sur cette chaîne cette année, et surtout sur beaucoup de jeux que je voudrais refaire, comme Skyrim, du coup, Fallout 4, vous avez quoi, et des jeux que je n'ai pas fait, comme Far Cry 4 et Far Cry Primal, des jeux que j'aimerais refaire, il y a Assassin's Creed Unity et Syndicate. Et j'ai commencé le Origins, mais je compte le recommencer en fait. Attends, viens. Un homme en fait. Comme vous a besoin d'un cheval de guerre, j'imagine. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de vidéos sur cette chaîne dans cette année. Quel âge à vos chevaux? Je m'en bats les couilles. Enfin, déjà combien ça coûte? Je suppose. Je viens justement d'en sceller un, si vous avez l'argent. 1000 pièces d'or, j'ai combien de moi? Comment ça marche? Chevaux. On va y aller à pied. Vite et loin. Je sais que c'est dangereux, mais bon. Attends. J'ai pas des... Non. J'ai pas de points de compétence. Allez. Bah c'est parti, hein. Faut contourner toute cette merde. Comment on court déjà? Non. Ça c'est marcher. Sauter. Non plus. Marcher. Non plus. Ah oui, c'est halt. J'espère que je vais pas tomber sur des bandits. Oh, nouvelle découverte. Comment on le range? R. Ah bah putain, je suis rouillé, hein, d'y voir. On va descendre. Sinon ça... Non. Ah ouais, j'ai déjà demandé et j'en ai rien à foutre. Ah merde. D'accord, on appuie une seule fois. Ça court et faut réappuyer pour arrêter en fait. Ah d'accord. Merde, c'est par là. Venez nombreux. Je sais pas s'il y a pas un dragon dans le coin. Ou c'est plus tard dans le jeu, je sais plus. Ça me gratte l'oreille. Ah bah ça va mieux. J'ai l'impression que cet épisode va être très long. Combien de gens ont été... Ah, qu'est-ce que c'est? Non, mais moi, j'ai rien vu, hein, moi, je... Hein? Lydia, t'as pas intérêt d'y aller? Non, mais c'est qu'elle y va. Bon, bah, on va y aller. Parce qu'elle doit être par là, et je crois qu'elle balance des flèches, tu vois? Kéké! Quoi? Ah putain! J'ai cru qu'ils avaient buté Lydia. On a tué un dragon, on peut recommencer. Eh oui. Avec vous. Bah moi je vais piller tout ça, hein, comme un vulgaire. Ouais, bien sûr. Comme un vulgaire vagabond. Un crochet, voilà. Putain, mais elle en fait, elle se mêle de la vie de tout le monde, mais c'est bon quoi. Laisse les gens tranquilles. Bon,
Bah c'est parti. Flèche de fer 140. Allez, on en est où? Objet, carte, carte. On en est loin. On a du chemin, ma petite. Oui, je suis un très grand beatboxer. Je crois que ça, c'est une feinte, ça. Je crois que c'est une arnaque. On verra ça plus tard. Ah oui, c'est vrai, il y a les mammouths. Ils sont où, les mammouths? Je veux voir les mammouths. Mammouths! Puis-je vous aider? Non. Attends. Attends. Tenue. Talos. Le temps entre les cris diminue de mes couilles. Anneau d'argent. Armure légère. D'accord. Casque impérial léger. Ah putain, j'ai plein de trucs. Attends, attends, parce que moi j'ai quoi comme tenue là en fait? Armure à bande. Ok, botte de fer. Botte impériale légère. Moins 3. Mais en fait elle pue la merde là. Attends, mais j'ai quoi sur le dos? Hein? Casque, gantelet. Hein? J'ai bien un truc là, on est d'accord? Alors pourquoi il ne s'affiche pas? Bon sang. Je comprends rien. Oh. Ah bon? J'ai peur que si je mets cette tenue, et eh ben il y en a, ils soient contre moi, donc on va garder celle-ci. Bref. Avec une musique épique. Ok. 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 Harwa harwa. Harwa harwa. Rac dans le gosier, va. Oh, 160, c'est bien. Peau de loup, on s'en bat les couilles. Peau de loup, on s'en bat les couilles. Ah, on arrive dans les monts enneigés. Ah oui, hein, on se fait pas mal chier dans ce genre de jeu vidéo, mais regardez-moi ces décors, quoi. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu un paysage comme ça de vos propres yeux? Non? Eh bah, ben, admirez. Et c'est pas beau, ça. Qu'est-ce qui, eux? Qui êtes-vous? Mais où est donc Ordicar? C'est pas où? Ok? Hein? Qu'est-ce que je fais, moi? En fait, je suis en train de faire n'importe quoi. Toi, je suis passé à côté. Putain, je suis vraiment un con. Moi. Attends. Pourquoi il y a deux marqueurs? Tu peux me dire, ça? Ok, alors... Ah voilà, supprimé. Bah. F. Non. Merde, comment on fait le... Ah, ah oui. Espadon d'acier. Arc impérial. H. De blanche rive. Faut que je mette ma tenue. On va mettre la tenue. Tenue. Alors, tac-tac-tac. Armure légère de mes couilles.
Bouclier impérial, il est moins bien que ce que je suis. Ah, bon, on va en enlever un. Capuchon. Casque impérial. Collier d'argent. Gantelet. En fait, elle pue la merde, votre truc, là. Quelle est la situation ? Quel plaisir de vous voir, camarade. Je savais que vous feriez honneur à la Légion. Je suis content que vous soyez là. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Et je ne parle pas des sombrages. Pardon ? Je sais que vous voulez... Je sais ce que vous voulez dire, à propos de ces vieilles ruines. Ces vieilles ruines... Les anciens ne veulent pas de nous. Ah bon. Il faut les laisser en paix. D'accord. Mais peu importe. Nous sommes les soldats de l'Empereur, et nous ferons notre devoir, quoi qu'il en coûte. Uh-huh. Pas vrai ? Bon, c'est déjà bien. On dirait que ces maudits rebelles sont arrivés en premier. Qu'importe. Nous allons les prendre par surprise. Préparez-vous à attaquer. Attendez. Je n'ai pas besoin... Oh, j'arrive pas à lire. Je n'ai besoin que d'une minute. Quand vous voulez, madame. Ouais. Suivez-moi. Avec plaisir. Retrouver à l'intérieur du corps. Hein. Récupérer la Kundra. Écoutez bien, légionnaire. Ces sombrages sont ici pour la même raison que nous. Ulfric, le prétendant, veut cette couronne. Mais nous ne le laisserons pas faire. Je sais que certains d'entre vous connaissent Éloignez-vous des hommes de moi. Dans l'autre camp. Mais n'oubliez jamais qu'ils sont maintenant vos ennemis. Et qu'ils n'hésiteront pas à vous tuer. Le général Tullius compte sur nous pour rapporter la couronne d'os. Et nous n'allons certainement pas le décevoir. Montrons à ces rebelles ce que sont de vrais soldats. Ouais. Yakalelo ! Merde. D'accord. Je n'arrive voilà pas. Oh, je suis vraiment une merde, hein. Attends, bon, écoute, hein. J'ai pas l'habitude. On va aller avec eux. On va foncer dans le buffet des gens. C'est lesquels? Une bonne chose de faite. Et moi je suis là pour piller. Rien à foutre de leurs histoires. Moi je suis juste là pour piller. Espadon de fer, arc de chasse. Arc de chasse. Oh. Quoique, ouais. Alors. Ah. Il y a une flèche ici. Ah ouais, moi je suis un rat, moi. Je suis là pour... Ah, qu'est-ce que j'ai... Ah, voilà. Casque d'écaille, j'en ai déjà pris un. Arc, j'en ai déjà pris un. Les flèches, une torche. Qu'est-ce que c'est? Ah, putain. J'en ai marre de ces numéros inconnus, surtout que samedi ça m'appelle d'Allemagne. Mis à part ma cousine, je connais personne en Allemagne. Donc quelque part, va te faire foutre. Bref, alors on était où? On en était nu. Alors ouais, plus rien. Ce qu'on va faire, attends, oh là là, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu, il y a tellement de choses à faire. Alors tenue, gantelet de fer, est-ce que j'ai des gantelets qui valent le coup d'être... Oula, quoi? Mais ça pue la merde, allez, chaud. La robe, est-ce que j'ai la tête d'être une robe, moi? Tête de chibre. Casque d'écaille. Bah écoute, casque d'écaille, on va le mettre. Et ça, c'est combien? Ça vaut que dalle et ça pèse lourd. Alors, on vire. Capuchon, le bouclier. Attends, il vaut 40 et il pèse plus... Il pèse... Ouais, dégage. Botte légère impériale, franchement la tenue impériale, mais en fait j'en bats les couilles, je crois que je vais la virer. Hein. Armure impériale, on va remettre celle-ci. Hein.
C'est bon là, c'est bon, et qu'est-ce que mon petit couille avait fait dire? Ah, moi j'en ai rien à foutre, moi. Ah, lui. De l'or. Je suis vraiment une merde, hein. Je suis un rat. Beau travail. Ils n'ont rien vu venir. Mais ne sous-estimez pas les sombrages. Nombre d'entre eux sont des vétérans de la Légion. Ce sont des traîtres, mais ils savent se battre. Nous avions l'avantage de la surprise cette fois. Oui. Mais ça risque de ne pas durer. Allons-y. Les sombrages n'ont aucune chance de nous arrêter. Alors. Ouvrir. Korschenfahrt. Je sais pas comment il s'appelle ce lieu. Tout le monde est prêt. Merde. Nous lancerons la charge à mon signal. Il est temps de nous... Pouf. Nous lancerons la charge. Pour l'Empire. Allez-y, pour l'Empire, c'est ça. La meuf, elle va être discrète et l'autre, il arrive. Allez, Nick. Mandy. Ok. Pour Jackie. C'est quoi ça? Ça vaut quoi, ça vaut quoi? DK 20. Ah. Ça risque d'être compliqué là. Voilà. Il arrive. C'est bien. Allez-y, c'est... Oh là là. Oh, c'est dur. Oh là là. La guerre. Je suis avec vous. On va. Oh là là. Non. Il pouvait pas l'emporter. Voilà. Oh là là. Oh. C'est dur la guerre. Croyez-moi. Hydromel, restaure 15 points de vigueur. La vigueur se régénère 30%. Plus lentement pendant 30. La vigueur se régénère 30% plus lentement. Pendant 30 secondes. Ah, d'accord. Et bah, pourquoi je vais prendre l'espèce de mal. Ok, il me restait qui à lui? Attaque d'acier. Ah, ok. Ouais. La garde à l'entrée. Tous ensemble. On ne peut pas que les sombrages nous prennent par surprise s'ils envoient des renforts. Les autres, suivez-moi. Les autres, Harwa. Et pourquoi on n'irait pas par là? Eh ben. Alors, je sais plus pourquoi faut récupérer cet endroit. Ah non, c'est les miens. Ah merde. Putain, j'en ai tapé qu'un seul dans la grotte et c'est l'un des miens. Ouais, mais en même temps, ouais, la guerre, oh, c'est moche la guerre. Vous l'avez cherché. Oh. Et c'est moche la guerre. C'est difficile la guerre. Franchement, oh, c'est quoi ça? Je n'aime pas ça. C'est l'endroit idéal pour une embuscade. Je parie qu'ils nous attendent de l'autre côté. Mais il n'y a aucun... Ne tirons pas de conclusions hâtives, soldat. La Légion trouve toujours une solution. Je préfère prendre le temps de reconnaître le secteur plutôt que de me jeter dans une embuscade. Auxiliaire, essayez de trouver un autre passage. Nous lancerons la charge dès que nous vous entendrons vous battre. Il y a peut-être un moyen de passer à l'étage supérieur. Vite! Ah oui, c'est dans quoi déjà? Objet, potion, tenue, arme, tous. En fait, je veux mettre une... Comment ça s'appelle? Ah oui,
Je veux mettre une torche. J'ai une assiette là? T'es sérieux? Ça c'est cadeau ça. Alors torche, oula j'en ai que deux. Deux. F. Oui, oui madame, je suis en train de chercher un endroit par où on pourrait passer. Oh là là, je cherche drastiquement. Là, figurez-vous, il n'y a pas de passage. Mais déjà, de par où je dois passer, moi. Donc, elle est là, elle. Ça va, tranquille. Attends. Voilà. Merde, c'était vide. Ah, il y a des... Il y a des baisses de FPS. Ah, oh, ça chagrine, ça. Oh. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Ça allait très bien, auparavant. Major. C'est cosy chez vous, dites-moi. Ah, attends. Peut-être un passage par là. Ah oui. Alors. Ah merde, attends. Eh oui. Arme. Eh oui. Non. Tenue. Eh oui. Bouclier. Voilà. F. Voilà. C'est qui eux? C'est mes potes ou c'est pas mes potes eux? Je crois que c'est mes potes. Passe le bonjour à une fric. Ok, pourquoi moi j'ai... Eh oh, 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 oh. On se calme hein. Bon. Alors. Bah, écoutez, c'est difficile la guerre. La guerre, on n'en parle pas beaucoup parce que... Voilà. Passe le bonjour à Ulfric. Soyez prudents. Il y en a sûrement d'autres. Bon, bah allez, on va continuer. Écoute, on va continuer avec eux. Oh là là, la guerre. Oh. Voilà. Oh là là. Gigot de chèvre grillé. Tromel, non. Lui, là, il a pas un truc, là, lui. Et lui, il a... Ouh. Une torche, je prends ça. Attends, mes petits là. Et. L'arc. Arc de chasse. Alors ça. Eh? Ok. Non. Oh, on s'en fout. Arc nardique. Ça, balance. Arc de chasse. Bah les deux, on balance. Et... Voilà, bah alors. Oh là là, ça... j'aime pas quand ça fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a tué ce sombrage là-bas? Ça a l'air mort depuis plus de 100 ans. Du calme. La Légion a affronté bien pire qu'une bande de vieux cadavres ambulants. Nous ne partirons pas avant d'avoir trouvé ce que nous sommes venus chercher. Continuons. Oui, continuez. Les sombrages sont déjà ici en force. Restez près de nous et suivez les ordres pour éviter de tous les rameuter. Après vous.
Alors, bon, bah c'est bon, ils y vont, ils ont pas peur. Bah j'y vais moi aussi, alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Bon. Oui, c'est ça, la gloire de l'Empire, la guerre. La guerre et la gloire de l'Empire. Oh là là, c'est pas facile. Hein. La flèche d'acier, torche, c'est pas facile. Oh là là. Oh. Putain, il s'est pris. Ils l'ont hagra. Oui, je prends tout ce qui est petites flèches, les trucs comme ça, l'or, parce que c'est compliqué en avoir. Enfin, c'est compliqué en avoir, non. Mais au début, voilà. Venez donc. Abandonnez tant que vous le pouvez encore. Ok. J'ai pas envie de taper les autres, en fait. J'ai peur, en fait, quand ils sont tous les uns sur les autres et qu'ils tapent. Oh là là. T'en tapes un, c'est un coup. Il se retourne contre toi, quoi. J'en ai entendu parler. Ah. Ces murs sont censés montrer la grandeur des ancêtres qui ont bâti cet endroit. Si seulement nous pouvions lire ces signes. Et le secret qu'ils peuvent renfermer. Chaque chose en son temps, soldat. Je comprends plus rien parce que j'ai un arc, mais j'ai l'impression que... Oh là là, ça devient compliqué tout ça. Alors celui-là, il est mieux que celui-là. Non. Arc de chasse. Arc impérial, pourtant dégage, je comprends plus rien. Ah, mais oui, mais oui, oui. Moment. Concentrons-nous sur notre mission principale. Oh, la torche. Trouver la couronne. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de griffe de pierre? Ah, comment tu sais? Je me demande à quoi elle sert. Moi, je sais. D'ailleurs, j'avais appris ça il y a pas longtemps dans une vidéo sur Skyrim, et je crois que je l'ai dit dans un épisode précédent, mais... Parce que, à l'époque... le loup... On s'en fout, tu dégages. Caille de dragon, ouais. Rose de dragon, ok. La grite, voilà. Alors, comment on fait? Comment on fait? Équiper, lâcher. Ah oui. Et en fait, j'ai appris ça, c'est que il y a la combinaison ici. Et avant, je ne savais pas. Alors, je faisais toutes les combinaisons possibles pour trouver la bonne. Donc, c'est le loup, le pigeon et le dragon. On y va. Ok, ah oui. Alors. Non. Oui. Le pigeon. Et le dragoon. Et là, on met la griffe. Et banqueroute. Beau travail. Pour l'Empire du Milieu. Ah bah oui. Alors, oulala. Tout ça attention, ne me dit rien qui vaille. Dispersez-vous. Évaluez situation. Auxiliaire. Je compte sur vous pour trouver le moyen d'ouvrir cette porte. Alors, ouvrir la porte, c'est simple. Alors, continuez à chercher. C'est ce que je fais. Il y a un moyen d'ouvrir cette porte. Ouais, pourquoi tu ne cherches pas toi-même, connasse? Alors, faut passer par là, il me semble. Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, regardez-moi ça. C'est peut-être évident. Mais n'y a-t-il pas un levier quelque part? Je vais tout de suite enlever cette merde. Parce que...
dague de fer, ça vaut rien du tout, et ça prend de la place. Continuez à chercher. Non. Bien sûr que non. Ah, ça s'est allumé. Oh, ils ont mis l'électricité. Voilà. Y'a quelqu'un? Oui, c'est pourquoi? C'est le livreur. C'est UPS. Plus 22. Allez, je prends tout. Qui êtes-vous? Ah bon? Ah, mais fallait que j'aille là-bas. Bah, c'est. Ah, oui. C'est où? C'est peut-être évident. Il n'y a-t-il pas un levier quelque part? Putain, elle va répéter ça 107 fois là. Merde, à la fin. Je vais le trouver ton levier, alors ferme-la. Oh, pas possible ça. Voilà ton levier. C'est pas terminé. Qu'est-ce que tu fais? Pionnet, nous avons connu pire. Attention. Exactement ce que je craignais. Un drogueur. Voilà les drogues. Suivez-moi. Comment ça s'appelle les... voir où ce chemin de... Ah non, ça c'est les soldats impériaux. Bon, on va prendre la flèche. On va prendre l'or. Désolé, hein. Bon. On en aura plus besoin que vous. Des flèches. Parce qu'une fois mort, bah, on en a plus besoin. Bah oui, écoute. Oh. Arc nordique. Allons, on va le prendre. Putain, j'ai l'oreille qui me gratte. Sa mère. Bah c'est bien. Attendez. Excusez-moi. Voilà. Bon, faut vite terminer ça, parce que ça commence à me gonfler. Ah, ils sont là. Bah allez-y. Allez-y sans moi. Et elle est où Ah, elle est là, Lydia. Hein, t'as intérêt de rester, sinon je te ragale. Ah, alors. Hein, des bibliothèques. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, lui. Il est peut-être un petit peu vénère, le mec. Ça faisait 3000 ans qu'il dormait. Je lui ai foutu hein. Bah oui, je suis en train de crever, moi. Le mec, normal, tu sais, il est là, vas-y. Hein? Soin léger, 50. Ah, soin léger, écoute. Voilà. Potion soin léger, 25. Ah, une dernière. Qu'est-ce que c'est? Rechargement d'armes. La charge de votre arme est complètement épuisée. Pour la recharger, sélectionnez l'arme dans votre inventaire et appuyez sur T. T comme tortue. Sélectionnez ensuite une gemme spirituelle remplie de quoi? Et appuyez sur E pour confirmer. Votre arme sera rechargée et la gemme spirituelle consommée. Venez nombreux. Merde. C'est bon là? Arrachez la couronne à ce drogueur.
Rapportez la couronne à Solitude, soldat. Nous allons rester ici et essayer de trouver quelque chose d'utile. Ah oui. Je vais apprendre un nouveau mot. Puissance a pris temps à ralentir. Bah c'est bien. Ah, c'est bon, j'ai... Ouais. Bon, je dois ramener à Solitude la couronne, hein. Y a pas des petits trucs, là. Des petits enchantements, des petites pièces d'or, là. Vous aurez pas de petites pièces, là, s'il vous plaît, là. Non, parce que... Eh, vous savez, je suis à la rue, hein. On va retourner à Solitude. Oh. Eh ben, madame, pourquoi? Je sais pas. Soulever, ah bah oui, on soulève. Voilà, porte en bois, ah oui. C'est bien une... Ah, mais oui, c'était là où on était pour... Oui. Et là, normalement, c'est par là. Et on arrive ici. Harwa, harwa. Ah, attends, on va peut-être faire comme ça, ça sera plus simple. Ouais. Oui, non, mais je les avais, ouais. Bord de ciel. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, je l'avais pas vu celui-là, tiens. Bandit ! Alors, on va aller à Solitude. Ça, c'est cadeau, ça. Déplacement rapide vers Solitude. Solitude se situe dans une baie naturelle qui protège son port des vents violents de la mer des fantômes. Ok, on va ramener ça à... Je crois que c'était à l'Aiguesès, là. L'Aiguesès. Allez, cours. Cours. C'est... Cours. Une pièce ou deux pour un vétéran. C'est pas grand chose. J'aurai un petit travail pour vous si cela vous intéresse. J'apprécie de fabriquer des flèches. Un petit travail pour vous. C'est une tâche difficile. Parfois fastidieuse. Les petits travails, moi j'en ai un. Morne fort. Bon, qu'est-ce qu'elle va me dire, la Jocelyne, là ? Ah merde, c'est dommage. Alors, c'est où ? C'est là ? Je déteste les tenues excentriques. Pas vous, apparemment. En gardant Épervine, nous contrôlons l'accès à la crevasse, à Blanche Rive et à la brèche. Ulfric tentera sûrement de s'en emparer, ouais. Mais nous serons prêts. Ouais. Comment va la guerre ? Que faut-il faire pour que cette guerre s'arrête ? Qu'est-ce que la Légion Impériale fait à bord de ciel ? Vous avez toujours vécu à bord de ciel ? J'en ai rien à foutre. Tiens, ta couronne de merde, là. Excellent travail, soldat. J'avoue que je n'étais pas certain qu'elle existait réellement. Avez-vous rencontré des problèmes ? Ah bah bravo, il savait même pas si elle existait. Il m'envoie dans un coupe-gorge, là. On sait jamais, peut-être qu'il y a un truc là-bas qui est sympa, ça se fout sur la tronche, c'est un couvre-chef avec des ossements dessus. Va la chercher, mais c'est pas sûr qu'elle existe. Rien de problématique, j'ai pu m'en charger. Nous avons perdu un grand nombre de bons soldats, j'espère que ça valait la peine. Les sombrages étaient là avant nous. On va lui dire ça. Ce n'est pas à vous d'en juger, soldat. Je ne vous aurais pas confié cette mission si ça n'en valait pas la peine. Bref. J'ai besoin d'une personne de confiance pour remettre un message extrêmement important au Jarl Balgruf de Blanche Rive. Nous savons de sources sûres que Ulfric a rassemblé suffisamment d'hommes pour attaquer Blanche Rive. Malgré tout, le Jarl refuse le soutien de la Légion. Cette missive devrait le convaincre. Attention, soldat. Ces documents contiennent des informations confidentielles à l'attention du Jarl, uniquement. Terminez la couronne d'os. Commencez un message pour... Vous avez des ordres, soldat. Oui. Le Ragnar pervers a des lits douillets et de l'hydromel frais. Ça ne vous fera pas de mal. Je serais bien plus réchauffé et sacrément plus heureux avec un peu d'hydromel. Bon, bah les amis, c'est la fin de l'épisode 8. Oh, regardez-moi cette belle vue.
Oui, fin de l'épisode 8 de l'intégrale de Skyrim avec votre youtubeur préféré, bien sûr, le susnommé Marvin Schrödinger. Eh oui, comme d'hab, hein, abonnez-vous, activez la cloche de notification, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, la commenter, tout ça. Pour le prochain intégrale d'un jeu vidéo, je vais faire... Oula, excusez-moi, j'ai soufflé dessus, j'ai pas mon antipop. Je vais commencer l'intégrale de Far Cry 4. Voilà, donc... Salut. Ta gueule. Le prochain épisode qu'il y aura, ce sera sur Far Cry 4. Le début de Far Cry 4, et je l'ai jamais fait. Alors, je vais le découvrir. Voilà. En tout cas, merci. Encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, tout ça, likez, s'abonner, tout. C'est super important pour l'algorithme YouTube. On vous le dit assez souvent, donc faites-le. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne principale, hein, qui y a le lien dans la description, mes réseaux sociaux, tout ça, le lien dans la description. Voilà. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien. Et bah, à la prochaine. Voilà. C'est génial. Comment ça marche? On va arrêter l'enregistrement. Ah! Merde, il y a ma mère qui m'appelle.